J'ai des potes qui se sont fait fusiller à 35 ans, donc ça m'a dégoûté du fantasme de la rue, de on est là, on est tous armés. J'essaie de me tenir loin de la rue, pas des gens, mais de la rue, et de tenir la rue loin de moi. Dans ton album, il y a des sujets qui reviennent très fréquemment, la trahison, la souffrance liée à la trahison. La drogue, le sexe, pardon. Il y a aussi pas mal de ça. Mais il y a des gros sujets comme ça sur ces thèmes et j'ai l'impression que tu as vécu ces thèmes-là très très jeune. Parce que dans ton bolo, tu fais une référence à un dessin animé qui a marqué beaucoup de personnes. Voilà, Rémi. Exactement, Rémi sans famille. Quand tu fais référence à ce dessin animé, à ce personnage qui est orphelin, tu voulais dire quoi? Quand j'étais petit, je peux pas dire, mes parents m'ont pas abandonné. Mais il y a des choses, des choix qu'ils ont fait, comme je pense que nous adultes on fait des choix qui affectent les enfants. Les déménagements chaque deux mois, les différentes belles-mères qui sont méchantes, beau-père, violent, te renferme un peu sur toi-même. Et puis ma mère est infirmière libérale, donc du mat de 5 heures au soir elle n'est pas là, donc j'ai grandi seul. Mon père était prof de philo, mais il a eu la vie d'un biker, quoi, donc il avait des femmes, de belles femmes, de belles motos. Et lui, par contre, il voulait s'occuper de moi à 100%, mais dans une vie un peu de nomade. C'est-à-dire, on déménageait tout le temps. C'est arrivé des fois qu'on reste même pas un mois dans un appart. J'avais pas le temps d'avoir des potes longtemps dans un quartier que je devais déjà me faire un autre quartier, tu vois. Tous mes potes, quand ils me parlent, ils me disent « Ouais, ça, c'est des potes d'enfance. On a grandi ensemble. » Moi, je peux pas te dire un mec avec qui j'ai grandi. C'est impossible. Ça t'a marqué, ça? Ouais, parce que j'aime bien... Bon, maintenant, ça va, parce que j'ai grandi, mais j'aimais bien l'idée de bande. Quand j'ai eu une bande à un moment, bon, la police appelait ça un gang, mais on faisait 0 €. Une bande, c'était, ouais, c'était en meute. On arrive en soirée en meute, on ouvre la soirée en meute, on part en meute. J'avais un appart avec une meuf qui m'hébergeait elle aussi, donc je faisais comme mon père. Tous mes potes, je vous disais « dors là, tout le monde dormait là ». Moi j'ai été hébergé par plein de meufs, donc comme mon père, je vais comme lui. Tu reproduisais ce qu'il faisait, parce que tu avais connu ça en même temps. Ouais. En vrai, si tu fais un lien un peu, le fait que t'aies pas justement cette stabilité familiale et cette bande et cette meute en fait avec tes parents, tu l'as cherché en fait aussi quelque part, quoi. T'es tellement en mode seul, que le premier que tu vois c'est, et qui lui-même est comme toi, allez, c'est la famille, on est ensemble, puis vous devenez des meilleurs amis. Et quand tu entends les gens parler d'eux, tu te dis, mais c'est un gangster fini. Il y a des mecs que j'ai rencontrés, genre celui-là, c'est un mec qui a tué 7 personnes, celui-là, c'est un dealer, celui-là, c'est ci. Et puis c'est des gars à qui je reparle maintenant, mais quand on y repense, c'est une vie, c'est trop instable. Mais toi, t'as pas senti le danger quand tu dis que t'étais ami avec ces personnes-là? Toi, tu les connais comme des amours, des gens qui te protègent. Si, tu sens le danger, parce qu'il y a des histoires, il y a des problèmes. En prison, il y a des ennemis, il y a des choses. Donc oui, tu sens les problèmes. Mais c'est surtout ne pas être seul, quoi. C'est juste ce qui était intéressant pour moi. C'est fou que le truc qui t'ait plus marqué, c'est le fait de te sentir seul, alors que t'as quand même connu des belles-mères méchantes, des beaux-pères violents, donc là on parle quand même de violence. Un beau-père violent, mais ce qui t'a marqué, c'est cette solitude. Imagine, regarde, t'arrives dans un appart avec ton père, on aménage à Rivière-Salée, je porte les cartons et je mets ma brosse à dents dans la salle de bain et elle me dit « T'as pas la peine de mettre ta brosse à dents, t'habitues pas. » Toi, c'est des trucs comme ça qui te font te sentir seul. Quand tu dis ça à ton père, il fait « Ah, mais Kevin, oh, de faire un plat, machin. » Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres chez ta mère, tu lui dis. Ta mère, ah, quelle salope, quelle pute, machin, tu vois. Donc tu crées des tensions, tu vois. Après, comme t'as été dire ça à ta mère, ta belle-mère te fait la gueule, tu vois, ça installe des trucs bizarres, tu vois. Tu te sentais pas à ta place, en fait, clairement. Moi, j'aurais aimé me sentir à ma place. J'allais vers elle, tout ça, mais celle dont je parle, non, elle était au maximum de Cruella, elle. C'était ses enfants et pas ceux de mon père, quoi. Ouais. Dans ton bolo, tu dis, tu m'as vu grandir dans un bendo, sans télé, sans Nintendo. C'était quoi les conditions de vie qui étaient liées justement à cette instabilité? Mes parents m'ont toujours donné à manger, toujours été dans des endroits où il y a de l'eau propre. Je ne peux pas faire le mec, ah putain, on a tellement souffert, il y avait des puces sur moi, tout ça. Non. C'est qu'après, quand j'ai grandi, j'ai 16-17 ans, ma vie a commencé à... J'ai commencé à vagabonder, à faire comme mon père. Et là, j'habitais dans des bendos, c'est-à-dire dans des endroits vraiment où il y a de la drogue, où il y a du deal, où je dors à côté de 5 motos, où il y a des armes dans la maison. C'est ce qu'on appelle vraiment un bendo. On est bien, ça y a du son, on joue au domino, on boit toute la journée, des gens passent nous voir, mais c'est pas une vie. C'est-à-dire que si la police descend là, tout le monde tombe, tu vois, par exemple. Ça, c'est un bendo. C'est fragile. Ça peut être éphémère, c'est-à-dire que ça peut se casser tout de suite. On a déjà eu des grands moments de fête. On en avait deux dans des bendos, des grands moments de fête. 20 minutes après, on nous appelle. Un des mecs qui est parti là, il vient de faire un accident de moto, par exemple. On peut faire un accident de moto n'importe où, mais là, c'est vraiment genre on buvait, on menait vraiment cette vie-là de bendo à fond.
C'est pour ça que là, je bois très peu et je fume plus du tout. C'est parce que j'ai déjà tellement tiré sur la corde que ça me manque même pas. Pendant cette période, t'étais comment toi personnellement? Genre le fait que t'aies vécu tout ça et qu'aujourd'hui t'étais dans cette liberté extrême, t'étais comment comme jeune? J'étais drôle. Okay. Je faisais tout le temps rire les gens. J'étais impulsif. J'étais solidaire dans la guerre, comme dans la fête, dans l'amour. J'avais pas de meuf. Okay. Parce que là, à cette époque-là, les meufs, j'étais. Oh, c'est quoi ça? Après, ça a changé? Après, ouais, ça a changé. Il y en a que j'ai connu à cette époque qui sont revenus. Même leurs darons sont venus plaider pour elles. mais bon, j'étais cool, j'avais déjà foi en Dieu, donc j'étais pas dans les bails de profitation, de raquettes, de méchanceté. Mais c'est bien que tu dis ça parce que je trouve quand on parle beaucoup de, par exemple, de jeunes qui ont grandi dans les bendos, dans des cités, parce qu'ils sont liés à des trucs illégaux ou mauvais, on dit tout de suite que c'est des mauvaises personnes qui mettent à l'envers, qui n'ont pas de valeur. Alors qu'en vrai, la plupart du temps, c'est tout le contraire. Et en général, il y en a un toujours qui fait la leçon. C'est exactement comme dans les films comme Menace Society, Friday. Il y a un toujours en mode les frères, réfléchissez, tout ça. Et on disait que c'était le relou. Il s'appelle Lionel. Il a ouvert un salon de coiffure et c'est lui qui m'a appris à comprendre l'anglais. Okay. Et c'était lui le relou. Par exemple, je vois une meuf et je lui dis ouais, mon pote Lionel, mon grand frère, il kiffe, machin, mais c'est pas vrai. Et voilà son numéro. Et elle l'appelle et pendant 2 mois, il ne me check plus. Et je lui dis, pourquoi tu ne me check plus? Il me fait réfléchir. Après, il revient et me dit, t'ai-je envoyé donner mon numéro à une femme? J'ai une copine, Kevin. Il dit, mais frère, elle est bonne de ouf. Il m'a dit, regarde, je ne t'ai rien demandé. Et de ça, ça m'a traumatisé. Comme si c'était le coiffeur de la cité. Ça rentrait un peu. Mais il ne me coiffait plus. Donc il y avait tous les mecs avec leur contour, tout ça. J'étais en chien. Avant d'aller au Yuka, à la Dunette, il passe, il check tout le monde, il m'enjambe. Et après, quand il vient me rechercher, il me dit mon frère, machin. Tu vois, il y avait un relou comme ça en bas de la cité. Ils ne vont pas. Désolé. Ah, ça, c'est un vol, ça. Mon pote Lionel, oui. Le relou, ben, il avait raison. Hein. Il a maintenu la majorité de la cité dans le chemin du travail. Tous ceux qui sont vivants, en tout cas, à travail, ont des enfants, à part mon cousin. Mais j'espère que ça arrive, Inch'Allah, bientôt. Valjean, on est au taf. Et je vais souvent en Martinique dans son salon. On parle de certains potes à nous qui sont malheureusement partis. On a toujours ce truc de lui dire tout le temps merci, tu sais, merci, merci. C'est le daron, quoi. C'est un daron. C'est un cliché que toute la cité, c'est que des mauvais. C'est toujours deux, soit qui engrainent tout le monde, soit qui sont relous et ils saoulent tout le monde. Mais sur 15, c'est pas les 15 qui sont des démons, quoi. T'as mentionné plusieurs fois la perte d'amis, t'as été marqué à plusieurs reprises. Amis proches, oui. Des frères, ouais. Ce qu'on appelle frères, oui. Il y a eu assassinat, il y a eu accident de moto. C'est des gens à qui tu grandis. Quand je dis tu grandis, c'est des gens qui dorment chez toi pendant 5 ans. Même quand ils ne sont pas là, leur daronne, tu restes parler avec elle, tu manges ensemble. Donc quand le mec il décède, la daronne, il faut que tu ailles la voir. Tu vois, c'est des trucs compliqués comme ça. Mais des fois, tu te dis, c'est injuste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller venger et régler ça la façon dont ça s'est passé, quoi. Et puis, tu as toujours la daronne qui te dit non, laisse-le dans les mains de Dieu, etc. Donc, ouais, c'est. Ça arrive souvent. Perdre quelqu'un, c'est intense. Perdre à répétition, c'est très rare. Et donc, j'imagine pas l'intensité de ce que tu devais ressentir. Comment ça t'a impacté dans ton caractère et dans la vision peut-être du monde et des gens, quoi? Je crois pas en la rue. Je trouve que la rue, c'est négatif. La communauté, c'est bien. Mais ce qu'on appelle la rue même, c'est pas une vie, c'est pas intéressant. Il y a rien à en tirer. J'ai des potes qui se sont fait, par exemple, fusiller à 35 ans. Donc, à partir de 35 ans, tu peux quand même reculer un peu, prendre un peu de recul. Ou bien t'assurer un peu d'être en sécurité. Pas te retrouver toujours dans les endroits où tu étais quand tu avais 16 ans, tu vois. Ça m'a dégoûté du fantasme de la rue, de on est là, on est tous armés. J'essaie de me tenir loin de la rue. Pas des gens, mais de la rue et de tenir la rue loin de moi. Mais tu penses que la communauté dont tu parles, l'énergie dont tu parles des gens que tu as connus dans la rue, est-ce que ce serait la même énergie sans justement le côté négatif de la rue? Ce serait même mieux. Parce que les gens, quand tu parles avec eux, je dis les gens, mais même moi, quand tu parles avec moi, tu sens que les gens sont des gens pisse et qui veulent sortir de là, déménager, ou même pas déménager, mais que l'ambiance s'améliore, que bon, déjà ce soit plus joli, qu'il y ait plus d'espace vert, par exemple, un détail, ou que les gens s'entendent mieux, ou que celui-là n'allume pas à minuit un T-Max à fond. Trop de petits qui se droguent. De drogue dure trop jeune. Ils ont des armes plus grosses que leurs bras. C'est rarement des crimes où il y a vraiment genre un pactole derrière.
C'est souvent gratuit, genre pour une petite chaîne ou pour une meuf ou pour un clignotant ou pour une insulte, une question d'ego. Donc ça vaut pas le coup de prendre une vie et en plus d'aller en prison tout ça de temps pour rien quoi. Déjà ça vaut pas le coup du tout. Donc c'est ça qui me fait me dire c'est pas intéressant. Okay. Tu peux avoir confiance en des gens qui peuvent s'allumer entre eux alors qu'ils ont grandi ensemble. Je vais pas allumer un pote à moi, c'est pas possible. Est-ce que ça a un impact justement d'avoir cette base un peu instable quand tu arrives dans le succès? Dans la musique, c'est frais parce que tu as des choses à raconter. Je pense que les artistes, entre guillemets, malheureux ou instables sont les plus doués. Quand tu as des exemples comme Michael Jackson ou des femmes, moi comme Mary J. Blige, c'est très négatif ce qu'ils ont vécu, mais ça en fait des bêtes d'artistes malheureusement. Mais pour le succès, c'est plus difficile à gérer parce que tu te sens seul dans le succès. Chaque show, c'est beaucoup d'alcool, beaucoup de fumée, beaucoup de meufs. Que des nuits blanches, quelques embrouilles, l'argent mal géré. T'as pas appris à vivre, à te gérer. Donc comme là, t'as tout d'un coup, tu veux faire profiter tout le monde et des personnes des fois qui doivent pas être là. Tu vas prendre un appart qui coûte la peau du cul, et tu vas t'acheter des trucs dont t'as pas besoin. Mais moi, comme j'avais toujours ce truc-là de la crainte de Dieu, il y a des mecs avec moi, je leur disais ça, les gars, non, ça, non. Les meufs qui ont bu, tout ça, les gars, mes fans, vulgairement, j'ai toujours dit je baisse pas mes fans. Pour moi, c'est profiter d'une faiblesse, c'est une faille. Mais comment tu as réussi à analyser cette situation? Parce que je ne dis pas que c'est rare, mais parfois tu n'as pas forcément ce recul quand tu es dans la fête, dans la célébrité, tu as une meuf, tu es là, elle te plaît, enfin tu vois ce que je veux dire? Quand une meuf vient te voir et puis que la meuf te dit je t'adore, allons où tu veux tout de suite, dans les loges, machin, tu vois dans ses yeux déjà qu'elle a bu, tu vois qu'elle est instable, tu vois qu'elle peut le regretter, tu sais que toi tu ne vas jamais la revoir déjà. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Tu peux avoir un kiff pour une meuf, mais le délire tous les soirs après le show, vas-y les mecs ont rempli le van de meufs, elles ont la dalle, machin. Tu trouves ça malsain? J'ai toujours trouvé ça malsain jusqu'à maintenant. Donc elles montent pas dans mon van, elles vont vous suivre si vous voulez vous, mais même ça, elles vont venir à l'hôtel, c'est mon nom, c'est l'équipe à Kalash, tu vois. Donc, J'ai l'impression que le succès, c'est aussi marqué un tournant dans tes relations, même amicales. C'est dans Grand Goût, tu parles de tes proches, tu dis que tu as un doute sur eux et que depuis que l'argent est rentré, ils essayent de te la mettre, quoi, clairement, en vrai. En détail, je dis, ils ont grand goût, ils veulent boire que mon sang, l'argent est entré, ils veulent faire un trou dans ma poche. Il y a différentes façons de voir ça. Il y a déjà soit la façon dont les gens profitent d'une générosité, donc ils n'ont même pas à demander, mais ils profitent, ils te disent pas, vas-y frérot, doucement, ou bien mets de côté, ou bien pense à toi. C'est, putain, ouvre les vannes, on va tout boire. Ou il y en a qui disent à d'autres, ouais, Kalash, c'est pas bien, machin, il gagne beaucoup d'argent quand même. Mais mon cousin me dit, on lui dit, comment ça tu travailles? Mon cousin, il est convoyeur de fonds. On lui dit, mais pourquoi tu travailles? Il dit, parce que je travaille. Mais ton cousin, c'est Kalash. Il dit, mais t'es con, quoi. C'est pas Bill Gates, et puis même si c'était Bill Gates, je travaille. Puis comme t'as des gars comme moi qui montrent beaucoup de bijoux, beaucoup de voitures, beaucoup de voyages, tu sais, c'était un peu indécent, quoi. Mais c'est nouveau, donc je filme. Et puis il y a des gens qui sont envieux en secret, il y a des gens qui sont envieux qui te disent « Ouais, pour toi, est-ce que tu peux machin ?» Et puis il y a des gens qui sont envieux vraiment genre dans la méchanceté, qui préparent des plans pour toi, tu vois, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans ça? Est-ce que c'est des gens, est-ce que c'est le fait qu'ils parlent justement sur toi ou qu'ils essayent de profiter de toi, ou c'était d'analyser deux comportements différents quand tu étais connu et pas connu? Parce que dans ton bolo, tu dis d'anciens amis essayent de revenir alors qu'ils m'ont laissé tomber dans le crack. Alors le crack, c'est pas le crack, mais c'est genre dans le plus bas, dans quoi. Dans les bas-fonds. Bah, ils m'ont laissé tomber. Quand je dis ça, j'ai genre dormi dehors, ils m'ont pas hébergé. Après, ils sont pas obligés, mais viens pas me raconter genre des souvenirs qui n'existent pas. Ils s'inventent des anecdotes avec toi. Ouais, donc mon caractère change. Je suis devenu beaucoup plus dur avec les gens que je connais pas, et encore plus dur avec ceux que je connais. C'est-à-dire que si à la moindre faute, il n'y a plus de deuxième chance. Et les plus grandes déceptions, c'est les gens que tu aimes. C'est plus les gens proches sur lesquels tu comptais et sur lesquels tu n'avais pas de doute. C'est ça qui est plus chiant quand c'est des proches. Parce que quand c'est des inconnus, tu t'en fous. Mais quand c'est des proches que tu aimes, ouais, c'est plus chaud. Même ta famille, c'est plus chaud. C'est ça qui t'a le plus piqué, ouais. C'était ces amis-là qui changent. Plutôt que les gens juste qui parlent sur toi et tout. Ils se la pètent plus que moi. On va en show, c'est eux qui regardent les gens mal. Genre, on est dans le carré VIP, c'est eux qui regardent les gens de haut, c'est eux qui sont plus Kalash que Kalash. On arrive dans un carré, il faut que tout le monde se lève là pour me laisser la place. J'ai dit, les mecs, personne ne va se lever. Et les gens restent assis là. Non, c'est notre place, des trucs comme ça. Mais là, c'est pour ça que je me suis entouré de gens qui ont un peu la même vision que moi et le même comportement aussi d'humilité, respect de classe sociale. Déjà, mon cercle, c'est tout, il y a de tout. Il y a des gens au chômage, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, il y a des gens qui gagnent très, très, très bien leur vie. Mais quand on est ensemble, tu ne sens pas
différence. Mais parce que toi, t'es comme ça, t'as grandi dans un milieu pas forcément classe sociale plus, mais t'es devenu dans une classe sociale plus, donc t'es forcément un mélange de tout ça, donc ton entourage est un mélange de tout ça. Quand ma mère m'a demandé de partir et que je traînais près du studio, je traînais à Volga chez PSK, le gars qui me donnait de l'argent pour manger le midi, c'est un dealer de crack. C'est un mec réputé pour avoir tué beaucoup de personnes. C'est lui qui était là. C'est ouf. Il est récemment sorti de prison. Il m'a appelé, il m'a rien demandé. Il me dit, tu fais quoi maintenant? Je travaille, machin. Hein. J'ai dit, ah, frère, ça me fait plaisir de te voir, machin, t'as pas changé. Il me dit, frère, je suis tellement fier de toi. Ta femme, comment elle va? Tes enfants? Il me dit le nom de mes enfants. Il me montre ses enfants à lui. Et tu vois, c'est des mecs comme ça qu'on disait. Bon, lui, on l'appelle l'ennemi public numéro 1. Il a été arrêté pour ça. Il a pris 18 ans. Et c'est des mecs comme ça qui ont le plus de manières. Et c'est les autres enfoirés qui ont eu leur mère et leur père là avec eux, qui font des manières. Kalash, je suis avec Kalash, casse-toi, là, tu vois. Il y a autre chose aussi qui m'a frappé dans tes sons, c'est la culpabilité. Par exemple, dans Anesthésie, tu dis que tu n'arriveras pas à nettoyer ton âme. Ou dans Grimy, tu dis carrément, est-ce que tu ne serais pas condamné? Dans Grimy, quand je dis serais-je condamné, c'est genre par rapport au succès. Même si je suis pas un saint, mais je suis quand même un artiste. Qui mène une vie saine. Des fois, je me dis que par rapport à ma croyance, est-ce que c'est pas hypocrite d'avoir ces valeurs-là et d'aller en boîte de nuit chanter, exciter des gens? Des fois, les gens rentrent chez eux, ils font des accidents, il y a des bagarres, c'est ma responsabilité. 4 morts après un accident, ça m'a marqué ça, en Normandie. Je dis tout le temps que je crois en Dieu, mais j'ai des sons quand même, des fois. Les sons sexuels, pour moi, ça fait partie de la vie, donc c'est pas un problème. Ça, Dieu nous a dit de Ken, encore Ken. Mais les sons violents qui font partie de moi aussi, les gun lyrics, je parle de flingue, je parle de violence, d'être violent, les sons de bad boy, tout ça, je me dis, ouais, est-ce que c'est pas des trucs que j'aurais pu sacrifier et dire, bon, si le son est frais, mais non. J'ai des sons lourds de ouf que je sors pas parce qu'il y a des paroles où je m'en veux. Ah ouais? Ouais, parce que je me dis, ça va pas avec ma foi, c'est hypocrite. Donc c'est plutôt ce genre de culpabilité-là. Je pensais pas que t'avais ces limites-là. C'est pas genre, ah, je vais pas dire ça, c'est je fais le son, je l'écoute et finalement je le sors pas parce que ça va paraître pour de l'incitation à la violence, soit de l'incitation à la consommation de drogue, de Xanax. T'analyses beaucoup, t'es quelqu'un qui t'auto-analyse beaucoup et tu te culpabilises aussi pas mal. Comme je crois au paradis, alors ça s'achète pas le paradis. Tu peux pas mentir à Dieu, faire genre t'es bon alors que t'es une merde. Donc je pense tout le temps, et même le terme n'est pas bon, mais à d'acheter ma place au paradis, de gagner ma place. Mais même ça, je me dis, est-ce que c'est pas hypocrite de faire ça pour aller au paradis? Pourquoi tu le fais pas pour le faire? Je rentre dans des trucs, je me dis, frère, et je vais aller boire un grand verre d'eau, arrêter de penser à ça, parce que je rentre dans des... Et j'ai des potes qui rentrent dans ces discussions-là, et ils sont pas d'accord avec moi du tout sur la foi. Par exemple, quand je mets ma croix dans mon cou, j'ai des potes qui me disent, tu vois, là, cette croix-là que tu mets là. Tu vois, on n'est pas d'accord. Mais on en parle. Après, c'est personnel. Ouais, c'est personnel, mais je pense que quand je l'affiche en gros comme ça dans mon cou, un pote peut m'en parler, tu vois. Pas un inconnu. Même un inconnu, mais de façon cool, ne vient pas me faire un coup, genre comme ils font en France avec le voile, tu vois. Mais tu l'as carrément fait tatouer, là, sur le front. Mais je leur explique pourquoi j'ai ma croix. Mon cousin en a une dans le dos. On a des choses, des fardeaux à porter, donc c'est symbolisé par la croix. Et je crois aussi en Dieu et au sacrifice de son fils. Mais je crois aussi en la véracité des mots du prophète. Je crois en la puissance d'Allah. Je crois en la puissance de la nature. Je crois en la puissance des divinités égyptiennes. Je crois en plein de choses, quoi. Des forces pas explicables, en tout cas. Ouais, des forces pas explicables. Et que moi, je sais que ça agit dans ma vie et que j'ai déjà vu ces forces-là agir. Et même elles agissent sur moi dans ma façon de... les traduire. Soit je vais pas te foutre à terre, toi. Soit je vais pas te vendre un gramme de coke parce que je crois en ça, donc ça agit. Et pourquoi t'as été jusqu'à le tatouer carrément sur ton front? C'est-à-dire, c'est quand tu te regardes, c'est le premier truc que tu vois. Comme ça, quand tu me vois, t'as déjà une idée que je suis un mec de foi. Il y a des curés qui me regardent et ils me sourient alors que le tatouage est interdit dans la Bible. Ils me regardent, ils me disent, mon fils, juste pour la croix. Moi, je te valide, toi. Je dis, je vais te montrer mon dos, tu vas me bénir. Par rapport à tout ce que tu as raconté depuis le début, entre ton enfance, entre le manque de confiance en certaines personnes, le succès, l'abondance, un peu tout ça, tu arrives à un moment de ta vie, tu es comment mentalement? Ça te crée une stabilité ou ça te crée des conséquences? Tu sais pas ça, tu sais pas que tu es, en tout cas, je suis pas de ce type-là, tu sais pas que tu es traumatisé ou que ton enfance n'était pas bonne. C'est après quand viennent les problèmes et que ça vient tellement fort que tu dois aller consulter des gens, des naturopathes, des sophrologues, des psychiatres, des psychologues, des gens. Gens qui manient la science, les énergies. Et tout le monde te dit la même chose, te dit ton enfance, c'est quand même pas top. Hein.
Il y a des gens qui disent c'est chaotique. Et moi, je ne trouve pas. Je leur dis. Ma normalité. Mes parents ont eu leurs soucis, donc ils ont fait comme ils pouvaient. Et quand je parle avec ma mère, il y a des trucs que je lui dis, elle me dit mais non, c'est jamais arrivé. Ça, c'est les parents toujours. Déni, déni total. Si pour toi, c'était ta normalité, mais que tu as été jusqu'à consulter des personnes, quels ont été les moments où tu te dis, OK, là, ça ne va pas, il y a un problème? Une crise d'angoisse. Tu as eu beaucoup de crises d'angoisse? Ouais, beaucoup, énormément. Partout, dans le ciel, sous l'eau, partout. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as une crise d'angoisse? Une crise cardiaque. Il y a des gens, c'est la tête, il y a des gens, c'est les jambes, il y a des gens, c'est le souffle, il y a des gens, ils tombent, moi, c'est la crise cardiaque. T'as l'impression que ton cœur s'arrête? Ah ouais, comme si il explose. C'est hôpital plein de fois, mais tu vas à l'hôpital, ils te disent buvez de l'eau, tu peux rien faire, vous êtes en pleine forme, vous avez une santé de ouf. Frustrant, hein. Donc tu vas commencer à voir des gens, tu cherches de l'aide partout, tu vas voir partout. Donc il y a le psychiatre, lui te dit, c'est plutôt médical, donc il te dit, il n'y a rien, donc Xanax, tu rentres dans le Xanax. Le psychologue te dit, c'est tes parents, à tous les coups. Et moi je voyais ça comme un cliché, genre qu'on me dit, ah oui, je souffre, les gens disent, ouais, j'ai fait ça parce que j'ai été maltraité petit. Je dis, mais ferme ta gueule, frère, que tu racontes tout. Ben c'est vrai, les gens, en fait, ils deviennent le résultat de ce qu'ils ont été, comme ils ont été formés, moulés, quoi. L'environnement. Mais j'ai appris ça après, pour moi, il n'y a pas de traumatisme. Je peux jamais dire, maman, je t'en veux, papa, je t'en veux, jamais je peux dire ça. Mais il y a des trucs qui se sont passés. Il ne faut pas mentir, c'est des faits. Ça agit après sur ma façon de vivre et puis sur des crises d'angoisse qui apparaissent. Est-ce qu'il y a eu un moment, une crise d'angoisse un peu plus forte qui justement t'a fait changer toute cette façon de penser? Que toi, à la base, t'es en mode genre, mais non, tranquille, tout va bien. C'est celle qui t'envoie à l'hôpital, c'est celle qui te prend en plein concert. Quand ça devient handicapant, voilà. Là, tu te dis, t'es obligé, il faut voir quelqu'un, t'y vas à reculons, mais tu vas et puis tu te rends compte que bon, tu parles. Puis tu découvres aussi autour de toi, il y a des gens pareils. T'as des amis qui font des crises d'angoisse, t'as des adultes, des grandes cousines, grands cousins, ou des grands artistes que tu connais, que tu commences à connaître, font des crises d'angoisse, des fans qui en parlent. Et j'ai des amis qui, maintenant, quand ils ont une crise, ils viennent me voir, tu sais, j'ai fait une crise. C'est même pas une crise, hein. Mais c'est genre comme c'est moi le professionnel. J'ai fait une crise, non, tu fais pas une crise. T'as débloqué des trucs, un peu trop. Ouais, mais on en parle. Je ris parce que le mec, il m'a fait ça. La dernière fois, il m'a fait, on était à Saint-Martin, il me dit, oh, je fais une crise. Je lui ai dit, tu fais une crise de quoi? Il me dit, je suis heureux. Tu fais une crise de joie? Il dit, oui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, gros. Mais il est souffert. Son cœur battait le visage. Ça m'a fait rigoler. Mais je lui dis, tu vois un peu où je vais quand je te dis. Parce que c'est des gens, j'ai pas honte, comme c'est mon entourage, je leur dis, là, je fais une crise. Mais ça se voit pas. Ils me disent, ah ouais, frère, attends, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, je veux rien. Tu peux rien faire. Et tu le tiens, tu dis, je vais pas bien. Il se dit, mais ça se voit pas. Et chaque fois, je dis à ma femme, est-ce que ça se voit? Au concert, là, j'ai fait une crise pendant 30 minutes. Elle me dit, on n'a jamais vu ça. Pendant que tu étais en concert? Elle me dit, on t'aurait sorti de scène ou on t'aurait fait. J'ai dit, j'étais en pleine crise. Elle me dit, ça se voit pas. Et toi, tu as l'impression que tout le monde le voit. Donc, tu es en train de me dire que tu maîtrises sans montrer aux gens la douleur d'une crise cardiaque. C'est là que tu vois que c'est dans la tête, c'est des angoisses, c'est pas physique, puisque tu continues à chanter, tu continues à faire le show pendant 1h30, 2h, et tu tombes pas. Si t'es en train de faire une crise cardiaque, voilà, tu tombes. Mais c'est là que tu vois que c'est dans la tête, c'est ce qu'on appelle des angoisses, c'est mystérieux, quoi. Tu mets le mot angoisse sur ce que tu ressens, mais dans ton boulot, tu décris aussi assez bien la dépression. Tu te couchais sans dormir, tu te levais sans envie, que la fête n'avait aucun goût, que les repas n'avaient aucun goût. Et ça s'appelle la dépression sûrement, mais je savais pas que c'était la dépression, mais maintenant on peut dire que c'est les prémices de la dépression, quand tu te sens pas avoir le goût des choses, vouloir rester couché, ou il n'y a que genre aller boire un truc qui te réveille. Je pense que ça, c'est un signe de dépression. Ou je ne sais pas s'il y a un autre mot, mais t'es pas au top, quoi. Et quand tu parles du Xanax, quand t'es son, dans un refrain, j'ai plus de Xanax que d'amis, c'est dans Masterclass. Ouais. Ce médicament t'a aidé dans cette dépression? Ça m'a fait croire que ça m'a aidé pendant 4-5 ans. Jusqu'au jour où ça ne fait plus effet. C'est-à-dire le Xanax, au début, quand tu prends sur une crise, ça calme la crise tout de suite. Mais comme c'était nouveau pour moi, donc mon corps, machin, mais à partir d'un certain nombre d'années, ça ne sert plus à rien. Puis ça devient juste une addiction et puis un réflexe. C'est-à-dire dès que, putain, j'ai mal à la tête, Xanax, je me réveille avec Xanax. Et le médecin te dit de prendre ça, donc tu suis ce qu'il dit. Mais c'est de la drogue, hein, le Xanax. Quand je dis j'ai plus de Xanax que d'amis, c'est parce que j'avais toujours beaucoup, beaucoup de boîtes. Je prévoyais toujours, où que j'aille, une plaquette dans ma poche. Je prends l'avion partout, garde à vue. J'arrive, je dis au policier, il me faut une plaquette de Xanax. Ils me disent non, on n'a pas le droit. J'ai dit si, vous allez trouver. Et ils amènent. Le Xanax te tient comme ça. Une addiction, ce que tu as dit. Tu as survécu combien de temps avec cette consommation comme ça excessive? De 2016 à ce matin. Encore aujourd'hui? Oui.
Ah ouais, donc t'as conscience que c'est une addiction, mais t'en es pas sorti. Tu peux pas t'arrêter d'un coup. J'ai déjà essayé d'arrêter d'un coup, et quand t'arrêtes d'un coup, t'as des réactions de ouf. Le manque. Ouais, alors j'en prends moins, mais dans ma poche j'en ai, dans ma voiture il y en a. C'est des trucs que tu peux pas arrêter d'un coup. Et t'as une période où tu te sens bien pendant une semaine, et d'un coup tu te sens bizarre, tu commences à avoir des palpitations, des trucs, tu vois. C'est la seule drogue que je consomme. Elle est puissante. Et tu as envie d'arrêter un jour? Ah, mais là, je vais arrêter d'ici un mois, je pense que c'est fini. Ok. Tu fais vraiment ce sevrage petit à petit. Ouais, tu coupes en deux, pour diminuer au fur et à mesure pour que ton corps se. Comme la cocaïne, comme le crack. Mais quand c'est en plus un truc lié à l'angoisse, c'est pas festif, tu penses que ta sérénité en dépend. Donc c'est pire pour moi. Parce que tu peux arrêter une drogue, tu te dis, ah, ça, c'est juste pour faire la fête. Mais quand c'est un truc qui te maintient, tu penses que tu veux pas t'en passer, quoi. Quelles ont été les limites de ta dépression? Elle t'a mis jusqu'où? Ça m'a amené jusqu'à me demander, est-ce que je fais un album, Tombolo? Est-ce que je continue la musique? Alors premièrement, avant d'être avec ma femme, je voulais qu'on m'interne. Mon entourage était pour. Pourquoi? Parce que t'avais plus goût à... Parce que mon entourage n'avait pas le don de soi pour s'occuper de ce que l'hôpital ferait. Mon manager qui est devenu ma femme s'est aussi opposé, donc elle s'en occupait. Moi, je voulais vraiment y aller. Hein. Genre, j'avais confiance dans l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu voulais trouver dans l'hôpital? Être sous surveillance H24 et soigner H24. Pourquoi t'avais des pensées noires? C'était quoi? Non, pas de pensées noires. C'est genre, je veux qu'on me surveille H24 pour me prescrire des médicaments, me guérir vite. Tu vas faire disparaître le truc alors qu'il n'y a pas de cure pour l'angoisse, vraiment. À part les gens qui changent de mode de vie et qui vont vivre au-dessus d'une montagne, qui n'ont plus Instagram, qui n'ont plus de carrière. Et donc, j'ai pensé à arrêter de chanter. Et je regardais sur le net, je parlais avec un pote à moi qui l'a fait, d'aller habiter dans l'Amazonie et de vivre là. Mais bon, déjà j'ai des enfants auxquels je tiens. Je tiens à rester dans la société, à ma position de leader antillais, je tiens à ma place. Donc je ne suis pas prêt à quitter Babylone pour l'instant. Et donc tu as décidé donc de trouver des solutions d'une autre manière, quoi? Plus dans l'énergie, ce qui est les médecines non occidentales, quoi. Ok. Les médecines égyptiennes, les médecines arabes. Quand tu es quelqu'un de complexe comme ça, avec une vie bizarre comme ça, c'est mieux quand tu tombes sur des gens bizarres, entre guillemets, aussi, que quelqu'un... Quand je parle au psychologue, je lui dis, par exemple, j'ai fait un show, il y a une fusillade, mais c'est léger, ça. Quoi? Comment vous pouvez dormir avec ça? C'est normal? Je dis, mais non, ça n'a rien à voir. C'est la vie, ça, c'est normal. C'est ta vie. Moi, c'est pas ma normalité, par exemple. Mais ça me traumatise pas. Même pas inconsciemment? Tu penses que ça t'impacte même pas légèrement? Non, des coups de feu dans une soirée, ça fait partie de la nuit. C'est la nuit. Il y a des bons moments, mais la nuit n'est pas un moment sûr. Ça te surprend pas, en fait, ce qui se passe dans la nuit? Non. Donc ça peut pas te traumatiser? Tant qu'il n'y a pas une fille ou quelqu'un qui se mange une balle dans la tête, ça arrive aussi, mais ça, des coups de fusillade dans une soirée, c'est banal. T'as encore certaines problématiques, par exemple, si le manque de sommeil, t'en parles beaucoup. Toutes ces problématiques-là sont donc encore présentes dans... Là, c'est réglé, là. Je suis Usain Bolt. Je dors à une heure décente. C'est pas vrai. Je mange comme Karim Benzema. Sauf le porc, il mange plus. Je bois quasiment plus et je fume plus du tout. Ça, ça n'a pas été compliqué d'arrêter tout ça? Non. L'alcool, oui. Que l'alcool, c'est bon au goût. C'est avec tes potes, tu bois et puis ça crée une ambiance. Et à chaque fois, je me dis, c'est une tentation. Est-ce que la religion t'a aidé dans ces moments-là, dans ces périodes un peu compliquées? La foi, oui, pas la religion. Parce que la religion a été... méprisante avec nous. Par exemple, ma mère a été radiée de l'église, du temple, parce qu'elle avait des boucles d'oreilles. Mon père s'est opposé à beaucoup de dirigeants qui faisaient des attouchements sur des femmes. Il s'est vu mettre dans des énormes problèmes par rapport à ça, parce qu'il a attaqué une institution. Des choses comme ça qui m'ont dégoûté de la religion, donc je me suis fait ma propre religion. C'est pour ça que je me permets dans un son de parler du Père de Jésus, de Allah, comme dans Praising. Je dis Alhamdoulilah, c'est ça que je me permets de faire ça. Si je peux me permettre, quand tu dis religion, en fait, tu parles de l'homme qui pratique la religion, en fait, de ce que l'homme en fait. Je parle des dirigeants religieux, surtout, ouais. Parce que les gens ont foi dans des dirigeants qui sont censés être les entremetteurs de Dieu. J'ai un ami prêtre, par exemple, qui est parti de l'église parce qu'il supportait plus ce qu'il voyait, ce qu'on lui faisait subir. Donc, j'ai un avis très, très ciblé, c'est très clair dans ma tête. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est plutôt ma foi et ma crainte de la force supérieure et immortelle. Il y a autre chose aussi dont tu parles de manière très positive, qui t'a beaucoup aidé, c'est l'amour, c'est ta femme, tu le mentionnes dans beaucoup de sons, tu as fait un son qui s'appelle aussi Habibi, elle t'a beaucoup aidé, j'ai l'impression, dans ton parcours et dans ta vie. Déjà, j'ai pas été en hôpital psychiatrique grâce à elle. Merci. Il y a des gens comme ma femme qui t'aident,
et qui oublient de s'aider eux-mêmes. C'est un sacrifice, le sacrifice. Ce pour quoi on prie et on aime Dieu, c'est parce qu'il a sacrifié son fils, qui est le sacrifice ultime. Quand quelqu'un se sacrifie pour toi, malgré tes conneries, malgré que t'es pas sa vie, t'es pas son fils, donc tu ne peux que rendre, pas gloire, mais presque gloire à la personne, quand tu reconnais musicalement ce que ça a fait, humainement, au niveau de la santé, judiciairement, quand j'ai un problème ou qu'on m'arrête, j'ai aucun doute dans ma tête que pendant que je suis dans la cellule, qu'elle est plus stressée que moi et qu'elle va tout faire pour que je sorte. Et moi, je suis comme ça et je sors. Quand tu peux avoir confiance à quelqu'un sur ta sécurité de vie mentale, physique, financière, etc. Les finances, c'est le dernier truc, mais c'est pour ça que ça t'inspire, tu vois. Et pour finir sur une note positive, dans Habibi, tu dis « Donner la vie, ça, c'est pour bientôt. » Inch'Allah. Projet à venir ? Si Dieu veut. C'est ce que tu souhaites pour ton avenir ? T'épanouir plus en famille ? Faire des enfants, vivre avec eux. Parce que je vis pas avec les miens, je les vois rarement. Les situations sont compliquées quand les séparations sont compliquées. Et les adultes oublient qu'on parle d'enfants. Il faut mettre les enfants avant tout. Ils peuvent créer des enfants qui vont devenir ce que j'étais à 16 ans, 17 ans, voire pire. C'est-à-dire des gens déboussolés qui commencent à boire, fumer pour rien. Donc c'est ça l'égoïsme qui m'énerve chez certains adultes. Moi je veux faire des enfants déjà parce que je veux donner des enfants à ma femme, je veux qu'elle m'en donne, je veux des enfants chez moi, que mes enfants grandissent tous les jours avec moi. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai pas vécu parce que j'ai un fils jeune déjà et je me suis séparé des mères de mes enfants, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé vraiment vivre comme certains amis que je vois. Je suis pas quelqu'un d'envieux ni de jaloux, le seul moment où je ressens de l'envie, c'est quand je vois un gars, un pote à moi, avec ses enfants. Je lui dis, tu sais même pas comment j'aurais donné beaucoup de trucs là, pour ce que tu as là. Donc, profite. Parce que tu as beaucoup de choses, mais tu n'as pas ça en fait, c'est ça, dans ce sens-là. J'ai pas l'un des trucs les plus importants. Quand tu as des enfants comme les miens, qui me ressemblent autant, qui sont magnifiques, qui m'aiment autant, c'est compliqué de te lever, de te dire que tu es en train de te battre pour voir tes enfants à toi, qu'on te propose tout sauf de les voir, on te monnaie de les voir, tu vois. Donc là, tu veux plus reproduire ces mêmes... Prendre la bonne personne et être sûr que ce soit elle qui va, même quand... Ça va être, même si demain, c'est la merde entre nous, je sais que tu vas pas faire de chantage ou me prendre par mon point faible, qui est ma descendance. Ça, c'est pour moi, les femmes qui font ça, c'est... C'est... On sent de la colère, là. C'est même pas de la tristesse, c'est de la colère que ça me donne, tu vois. Je ressens. Donc voilà. Bah, je te le souhaite encore, ouais. Moi, en tout cas. Si Dieu te veut. Souhaite. Si Dieu le veut, exactement. Merci beaucoup, Kalash. Okay.